connais. OK, bon, on essaie encore une fois. Donc, bienvenue à cette session sur le système d'information de gestion pour la logistique avec DHIS2. Moi, c'est Breno Horst. Je suis responsable pour la gestion des informations logistiques dans le système DHIS2. Et je travaille très proche avec George Maguire, ici au Centre ISP, à l'Université d'Oslo. OK. Un moment. Il faut partager ici. Est-ce que ça va? OK, donc pour la troisième fois, bienvenue. On va parler de la logistique des HS2. Ouais. Third time's a charm. OK, donc moi, Breno Horst, George Maguire, on travaille avec la logistique ici à l'Université d'Oslo. On va présenter quelques fonctionnalités très vite. Il va faire un démo d'une des fonctionnalités. Après, on va passer à Abdoulaye Maïga de l'équipe HISP West and Central Africa qui va présenter l'interopérabilité au Mali. Et après, à M. Jean-Pierre Salé du Bénin qui va aussi montrer une implémentation au Bénin avec les données logistiques. J'ai déjà très peu de temps parce que j'ai utilisé trop avec les détails techniques. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on utilise DHS2 pour la gestion logistique? Et je vais passer par quelques exemples. Un des principaux avantages, c'est d'utiliser le système qui est déjà utilisé pour l'information en santé. Il a déjà une infrastructure, des outils, des gens qui ont des compétences pour mettre en place le système. Et après, au niveau des utilisateurs sur le terrain, si vous avez un infirmier, un agent de santé qui utilise le système pour faire la saisie de données en santé, pour ajouter quelques peu données en logistique, c'est un très petit effort pour avoir beaucoup d'informations qui peuvent améliorer la gestion logistique globale et aussi pour faire la comparaison, l'analyse avec les systèmes ou les données en santé. Il y a aussi la question de coût, de pouvoir arriver, de faire une implémentation avec des outils et toute l'infrastructure qu'il faut mettre en place pour faire cette saisie au niveau des niveaux sanitaires, des centres de santé. Ça sera beaucoup plus effectif d'utiliser un système qui est déjà sur place et après pour cibler les données en logistique et aussi, comme je viens de dire, les compétences qui sont déjà établies dans le pays, dans l'équipe des HS2, l'équipe HISP qui peut appuyer. Le contenu, de quoi est-ce qu'on parle? Et je vais passer un peu plus en détail après, mais c'est au niveau sur le terrain, c'est ici l'utilisation de l'applicatif Android, donc le mobile, pour faire la gestion de stock, gestion de température, d'équipement biomédical, le contrôle de qualité avec la capacité de faire la saisie de GS1 pour les médicaments, l'intégration des tableaux de bord pour gérer les activités et après en catalogue avec les produits qui sont disponibles. Et comme je viens de dire plusieurs fois, on cible le point final de la chaîne d'approvisionnement, les agences sanitaires, les hôpitaux et les centres de santé. Donc, à la gauche, c'est la colonne avec l'information ou les données logistiques. Et on vise une interopérabilité avec un système dédié pour la logistique. La recommandation, ce n'est pas de faire toute la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans DHS2. C'est plus que le système peut faire d'une façon efficace, mais de faire l'interopérabilité pour avoir tous les avantages du système à ce niveau, le niveau qui a peut-être moins de ressources, un peu plus difficile d'accéder avec un système central. Et après, avoir le système central en Siegel ou un ERP qui est dédié pour faire cette fonction de gestion d'entrepôt et toutes ces fonctions un peu plus avancées. Et après, très rapidement, avant d'entrer dans le démo de Georges, c'est la gestion du stock avec les données agrégées. Donc ici, on peut faire le reporting pour des produits hebdomadaires, mensuellement, ou quoi que ce soit les périodes, pour toutes ces données qui sont utilisées dans le système. Et nous sommes en train de... Et ça, c'est déjà disponible et on peut le mettre en place aujourd'hui.
Après, la gestion de stock par transaction avec un applicatif, un app qui est dédié pour faire la distribution et les corrections de stock. On vient d'avoir le code et on va intégrer ça dans le système pour avoir cette fonctionnalité complètement intégrée dans le système. On espère avoir ça en octobre ou le plus tard dans le avril de l'année prochaine. Après, la relève de température avec des senseurs pour avoir ça intégré aussi dans le système avec Bluetooth. C'est une autre fonctionnalité que nous sommes en train de développer, qui n'est pas tout à fait prêt, mais nous sommes en phase de pilote et on essaie d'améliorer. La gestion d'équipements biomédicaux, d'équipements de chaînes de froid, ça c'est déjà complètement disponible et on peut la mettre en place aujourd'hui pour faire la totale suivi de l'installation d'équipements, la gestion et après la fin de vie quand l'équipement on jette l'équipement pour tout qui est équipement biomédical ou de chaîne de froid. Le contrôle des médicaments avec les codes barres GS1. Donc, le contrôle n'est pas encore là. Il faut lier avec une base de données, mais nous avons maintenant la capacité de faire de lire et après avoir tous les codes pour le produit, l'expiration, le code série et le lot pour chaque médicament. Et nous envisageons l'utilisation au centre de santé pour faire le contrôle de qualité finale pour tous les produits et pour tous les médicaments. Après, les tableaux de bord qui sont intégrés, donc on peut faire ça disponible pour les utilisateurs qui sont en train de saisir l'information. Il peut aussi avoir ce genre de tableau de bord pour montrer quelles sont les performances dans mon centre. Ils ne font pas justement la saisie, mais il peut aussi avoir d'informations directes qui peuvent aider pour faire des décisions, prendre des décisions, améliorer les performances dans le centre, ainsi qu'au niveau plus haut, au niveau de district et central. Et après, dernière, c'est le catalogue avec des produits et quelques informations sur chaque produit. Donc, tout ça, c'est disponible dans notre serveur de démo que vous avez accès et je vais montrer le lien, je vais partager avec vous que vous pouvez entrer et déjà utiliser ces outils pour voir comment ça fonctionne et voir s'il y a la possibilité de les mettre en place pour améliorer la gestion de la logistique de façon générale. Encore une fois, l'approche, c'est l'intégration. Donc, c'est utiliser des HS2 pour ce qu'on peut faire de façon efficace dans les centres de santé, au niveau des agents communautaires et les hôpitaux. Et après, d'avoir au niveau central et régional un système de gestion logistique qui est dédié pour ça. Et le travail est fait en partenariat avec l'assistance de Stella Center, qui est en collaboration avec l'Université de Basel, Swiss TPH, l'Institut de santé tropicale en Suisse et Novartis. Et mon dernier slide avant d'entrer dans le démo, c'est le site pour les serveurs. Vous pouvez entrer déjà, accéder et tester les fonctionnalités que je viens de décrire. Je vais aussi partager par courriel. Ça sera aussi disponible dans le SCED après. Donc, je passe très vite à l'app pour la transaction, la gestion du stock par transaction. Et Georges peut faire la suite pour montrer comment ça fonctionne. OK, je vais faire une démonstration très rapide avec ma petite pharmacie. C'est mon beauty case. OK, c'est l'app qui a été développée par Biosystem pour les CICR, pour le cas rouge. Et c'est lancé lundi. Ça va être mis en place dans 7 pays, 50 hôpitaux et cliniques. Et c'est très simple, on peut distribuer, on peut jeter si c'est périmé ou endommagé. Et on peut faire une correction. Je vais juste montrer une distribution. On doit simplement sélectionner la distribution. Après, on peut voir les organization units. C'est real-time stock. C'est automatiquement montrer la date d'aujourd'hui. Après, je vais distribuer aux enfants, bien sûr, la chocolat pédiatrique. Après, procéder. Maintenant, je peux chercher l'article chez les chocolats bleus
vert, rouge et jaune. Je vais prendre les bleus parce que c'est plus simple de prononcer pour moi. Je peux sélectionner un par un. Je peux faire une recherche ou je peux faire le scroll up and down, mais le plus simple est d'utiliser les barcodes. Je vais ouvrir le barcode scanner, chercher le barcode pour le... C'est en anglais, excusez-moi. Pas de place avec l'ordinateur. Hein? Ça marche. OK, maintenant, je peux voir que j'ai encore 37, 36 en stock. Ce n'est pas correct. Je dois faire une correction. Mais en tout cas, je vais prendre deux chocolats, par exemple. Je vais simplement entrer deux. Et après, je peux voir tout de suite qu'il reste 31. Ce n'est pas correct. Et après, je vais simplement vérifier la quantité et c'est terminé. Je peux voir les stocks qui restent. Et après, je peux faire ça pour tous les articles. C'est rapide et je n'ai pas besoin de remplir les stocks. C'est tout. Merci. Bon, donc on essaie de montrer quelques outils qui sont très simples mais efficaces pour la gestion de stocks et gestion d'équipements au niveau de terrain, de centre de santé, agents communautaires. On essaie de faire des outils qu'on peut implémenter d'une façon simple, efficace. Bienvenue. Et si vous avez plus de questions, c'est juste nous contacter. Vous pouvez déjà accéder le site, le serveur pour faire vos propres tests. Et c'est ça qu'on essaie de vous partager aujourd'hui. Maintenant, je passe la parole à Abdoulaye Maïga de l'équipe HISP West and Central Africa, qui va parler de l'intégration avec le système Medexis. Super. Merci Bruno. C'est bon la réception? OK. Merci monsieur dame, bonsoir. Docteur Abdoulaye Maïga, implémentaire d'IHS2 à HISP West and Central Africa, basé à Bamako au Mali. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience pilote d'intégration d'IHS2 Medexis pour améliorer la disponibilité des médicaments au niveau local. Comme George l'a dit, l'accent est mis surtout le point de distribution et des médicaments. Donc, rapidement, on va rappeler un peu l'organisation structurelle du système de santé du Mali. Aussi, vous décrire un peu le schéma actuel de la gestion des données avant cette intégration. Et puis, vous parler un peu de l'approche d'intégration d'IHS2, Medexis, ILMAS. Et à ce niveau, qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette intégration et quelles sont les prochaines étapes? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter le Mali d'abord, donc, juste pour vous dire que le Mali, c'est un vaste pays de l'Afrique de l'Ouest. Et la population est estimée à un peu plus de 21 600 000 personnes, avec 11 régions et 75 districts sanitaires, avec un peu plus de 1 800 établissements de soins, et toutes catégories confondues. Donc, les objectifs du système de santé du Mali, c'est premièrement, améliorer l'état de santé des populations afin qu'elles puissent participer activement au développement économique du pays. Le deuxième objectif centré sur l'extension de la couverture en mettant un accent sur l'accessibilité des services. Et le troisième objectif, c'est surtout la viabilité et la performance du système. Alors, pour atteindre ces objectifs, des stratégies sont développées, entre autres la participation communautaire à la gestion du système et à la mobilisation financière, y compris les recouvrements de coûts. Comme stratégie aussi, il y a la garantie de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments, surtout à rationaliser leur distribution et la prescription. Et aussi, comme stratégie, la promotion
des secteurs privés et communautaires qui viennent en complément aux structures publiques dans l'offre des services. Alors, concernant l'organisation des soins, le Mali a une organisation pyramidale. À la base, nous avons les structures, on va dire, le premier recours, les premiers contacts, qu'on appelle les CSCOM, Centres de santé communautaire. En plus de ça, vous avez d'autres formations privées, communautaires qui participent à ça. Donc, si la prise en charge dépasse, on va dire, les compétences ou parce qu'il n'y a pas le plateau technique pour faire les soins, il y a la référence qui est faite au deuxième niveau, qu'on appelle les hôpitaux de district, okay, qui constitue la première référence. Et puis, vous avez aussi à l'état supérieur les hôpitaux régionaux qui ont aussi un plateau technique plus étoffé que les hôpitaux de district. Et au sommet, nous avons les hôpitaux spécialisés pour la prise en charge qui constitue la troisième référence. Et au premier trimestre de cette année, ça c'est un peu les effectifs par rapport aux structures au Mali, envers les structures publiques et parapubliques. Les structures privées sont en couleur orange. Et nous avons aussi des agents au niveau communautaire qu'on appelle les AEC, agents de santé communautaire, qui participent aussi à l'offre des services avec un certain nombre de paquets qui a été défini. En ce qui concerne la gestion des données logistiques actuellement, le Surki est présenté comme tel. Nous avons des agents qui transmettent les rapports physiques au CSCOM concernant les situations de stock, les statuts de stock. Donc, les CSCOM saisissent les données, les comptes rendus de gestion de façon mensuelle dans le DHS2. Au niveau également des districts, nous avons ce qu'on appelle les dépôts répartiteurs de cercle. Donc, eux aussi qui rapportent la situation des stocks dans le DHS. Et aussi, au niveau régional et puis central, nous avons les magasins de la pharmacie populaire et ses démembrements aussi qui rapportent dans le DHS. Ça, c'est un peu le circuit de l'information. Ce qui manque ici, c'est peut-être le circuit de l'approvisionnement qui suit un peu le sens inverse. Donc, à partir de la pharmacie populaire qui a des démembrements dans les régions, donc, les dépôts répartiteurs de sexe sont ravitaillés, ainsi que les formations sanitaires. Donc, sur une base mensuelle, ces données sont collectées à travers un canevas qu'on appelle le CRGS, le compte rendu de gestion des stocks. Donc, nous avons les items classiques ici de la gestion des stocks, quantité reçue, quantité utilisée, etc. Donc, ça, c'est des formulaires customisés et personnalisés qui ont été configurés dans DHS2. Pour la collecte des données. Alors, en ce qui concerne l'analyse, permettez-moi ici, ce qu'on n'a pas dit, il y a un transfert de données entre DHS2 et une autre application qu'on appelle OSP Santé pour faire le suivi et puis faire des analyses logistiques à travers les dashboards. Donc, quand les données sont saisies dans DHS, le transfert s'est fait. Donc, nous avons des analyses de César qui sont visible au niveau de l'autre application qu'on appelle OSP Santé, où nous avons par exemple le pourcentage d'établissements qui sont à rupture de stock ou même les mois de stock disponibles, aussi d'autres analyses de César où nous avons par exemple le pourcentage d'établissements à risque de rupture par rapport à une molécule, etc. Donc ça, c'est actuellement ce qui se passe par rapport à la gestion des données logistiques au pays. Donc, concernant l'intégration DHS2, MEDEXIS, ILMAS, il faut rappeler le contexte dans lequel se passe cette intégration. C'est qu'au Mali, depuis 1995, il y a un schéma directeur d'approvisionnement et de distribution des médicaments qui existe, qui a connu des révisions, certes, et dont la dernière date de décembre 2021. Donc, ce schéma a pour but d'assurer la disponibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire et aussi à des coûts compatibles au pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est le but de ce schéma. Et aussi, à travers ce schéma, les rôles et les responsabilités des différents acteurs sont clairement définis pour mieux organiser le système. Mais malgré ce schéma, les difficultés demeuraient par rapport à la disponibilité des produits
et aussi l'accessibilité des données à temps. Une chose est d'avoir les données, mais quand ça vient tardivement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui fait qu'en 2014, le pays a opté pour une application web, OSP Santé, pour améliorer la gestion des données des stocks. Donc, aussi en 2016, la plateforme d'IHS2 a été adoptée comme plateforme nationale de gestion des données qui devrait intégrer les données de tous les programmes. Maintenant, il fallait alléger la charge de travail des utilisateurs pour ne pas faire de double saisie OSP DHS. Donc, il a été décidé de faire une intégration sur une communication, on va dire, entre DHS2 et OSP Santé. Ce qui fait que les données sont collectées dans DHS, mais les dashboards, les analyses sont visibles au niveau de OSP Santé. Ça a été fait en 2017. Maintenant, OSP, à l'origine, n'a pas été conçu pour faire ce qu'on appelle la gestion informatisée des intrants et le mouvement des stocks. Donc, il y a ce gap qui est là qu'il faut combler. Ce qui fait qu'avec l'appui du projet USAID Kenya-Sinsiwale, qui est un projet de renforcement du système de santé pour 5 ans, dont la mise en œuvre est assurée par un consortium dont iPlus Solutions, je crois que Père est avec nous ici. Donc, dans ce consortium, iPlus est responsable de l'amélioration de la gestion et des stocks, surtout au niveau local. Donc, dans ce cadre, il y a eu des concertations avec la direction de la pharmacie et du médicament pour apporter les maillons manquants à la gestion informatisée des inventaires des stocks de produits. Donc, au terme de cette discussion qui a quand même pris énormément de temps, on va dire, parce que ça va faire une année. Donc, le choix a été fait d'utiliser Medexis pour cette gestion informatisée des inventaires de stock. Ainsi, comme l'a dit tout à l'heure Bruno, il faut toujours bâtir à partir de l'existant et que Medexis aussi devrait trouver sa place dans l'architecture du système d'information du Mali. Il a été décidé de faire une interopérabilité entre DHS2 et Medexis. Donc, avec cette intégration, le nouveau schéma se présente ainsi. Alors, les CSCOM vont toujours continuer à rapporter les données dans DHS. Ce flux ne change pas. Et cette fois-ci, au niveau DRC, Medexis va être pleinement utilisé pour faire la gestion informatisée, pour suivre les mouvements des stocks. Et à travers l'interopérabilité entre les deux plateformes, donc les districts aussi ont accès aux données des CSCOM. Ils peuvent juste, sur la base des données rapportées, tout de suite faire ce qu'on appelle le push-supply model. Donc, cette façon, on est plus passif. À travers déjà les analyses des données, les districts peuvent envoyer à travers des notifications aux formations sanitaires pour demander des replacements, des réapprovisionnements par rapport aux produits. Et donc, le circuit de ravitaillement, c'est toujours le dépôt central qui va ravitailler les dépôts régionaux, etc. Ça, c'est les flèches en rouge ici. Donc, OSP va continuer à recevoir les données du DHS pour afficher les dashboards. Donc, il n'y aura pas de changement à ce niveau. Alors, ici, on a mis l'accent sur la coordination et le cadre de collaboration de cette intégration parce que c'est très important. Comme je l'ai dit, les premières discussions ont commencé il y a une année. Donc, dans ce processus, le rôle des différents acteurs ont été clairement défini. Le ministère, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, assure le leadership du projet, coordonne les activités et collabore aussi étroitement avec d'autres structures. Parce que l'organisation du système au Mali est un peu complexe. Nous avons en réalité des sous-systèmes qui constituent les systèmes d'information sanitaire. Et quand vous prenez ces sous-systèmes, ce n'est pas la même entité qui est responsable de ces sous-systèmes. Donc, dans ce genre de projet, donc la collaboration entre ces différentes entités elle est très, très importante. iPlus Solutions, qui est le soutien financier à travers le projet Kenya-Sinsiwale, mais aussi technique, parce que tout ce qui est développement côté Medexis, donc
c'est leur rôle. Et puis, pour cela, je crois qu'ils appuient le système à travers aussi les développeurs comme Nuno, qui est basé au Portugal. ESPO, nous avons un bureau au Mali qui est chargé de l'implémentation de la solution et puis faire tout ce qui est configuration sur le serveur du Mali et les formations et puis faire le suivi du processus. Et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec l'équipe technique du HS2 du Mali, parce qu'au Mali, il y a une équipe technique d'administrateurs qui ont aussi les compétences pour faire toutes les configurations, les paramétrages, etc. Évidemment, l'Université d'Oslo, qui sont nos appuis conseils dans ce processus et qui continuent aussi à développer des solutions dans DHS, dont Bruno et George viennent de vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est un peu le cadre collaboratif de cette approche d'intégration. Alors, c'est commencé, c'est toujours en cours, mais ce qui a été fait jusque-là, c'est que déjà, il y a eu un consensus sur le modèle à implémenter au Mali. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Comment on va faire cette intégration? Quelles sont les fonctionnalités à retenir? Qu'est-ce qu'il faut implémenter pour ne pas faire des doublons avec OSP, etc. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, mais au terme, il y a eu un consensus sur le modèle. Et aussi, ce modèle a pu être configuré sur un serveur test qu'on a testé aussi avec succès, où la communication avec Medexis se passe très bien. Et aussi, il y a eu un atelier à Bamako au mois de mai dernier pour présenter cette configuration et discuter avec la partie nationale et recueillir les feedbacks et puis les quelques observations qu'il faut intégrer à la solution. Donc aussi, il y a la documentation pour faire cette configuration, tout ça qui est disponible. Donc, il reste des choses à faire. Et ici, on a voulu juste représenter ce qu'on va faire très prochainement, dans les 3-4 prochains mois. Donc, il s'agira de faire la configuration sur le serveur DHS2 du Mali. Actuellement, la solution a été testée sur un serveur local de l'université. Ensuite, former les formateurs pour pouvoir aller à l'implémentation et une mise à échelle. Donc, dans un premier temps, on va aller crescendo. On va tester la solution dans 4 formations sanitaires d'un district, évaluer et puis à terme aller dans au moins 28 districts appuyés par le projet. Donc, merci. C'est ce qu'on a voulu partager avec vous. Et s'il y a des questions, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Abdoulaye Maïga. Vous avez, vous pouvez poser des questions après, parce que maintenant, on va passer à Jean-Pierre Salé du Bénin qui va partager son expérience aussi avec DHS2 et les données logistiques. Jean-Pierre, si vous voulez partager ton écran, ça sera. OK. Attendez, je vais essayer. Vous me dites quand vous voyez. Oui. C'est bon? C'est bon. Je vais mettre en mode présentation. Parfait. Excusez-moi. Donc, vous avez 15 minutes. D'accord, je vais essayer. Merci, bonjour à tout le monde et merci de nous donner l'opportunité de présenter donc, ce qu'on a fait au Bénin. Donc, je suis Jean-Pierre Salé, je me suis mis comme consultant parce qu'en fait j'étais le directeur de projet au Bénin jusqu'à il y a un mois et demi. Et maintenant je suis à la retraite si vous voulez tout savoir, mais bon je vais continuer un peu à appuyer certaines activités. Donc voilà. Donc le Bénin, oui, alors le Bénin, rapidement, pays de 12 millions d'habitants, Afrique de l'Ouest, il y a 12 départements okay, dans le pays et il y a 34 zones sanitaires qui sont un peu l'équivalent des districts et il y a à peu près 1000 formations sanitaires publiques et 500 privées et en plus de ça, il y a à peu près 4000 relais communautaires. Donc ça, c'est un peu les structures sanitaires au Bénin. Donc voilà, alors, comme on a été impliqué dans la mise en œuvre, appuyer la mise en œuvre du DHIS, alors le DHIS était déjà implémenté au Bénin pour recueillir les données
d'information sanitaire avec des indicateurs traditionnels, si j'ose dire. Alors, il y avait quand même un formulaire de rapportage qui s'appelle le formulaire A7 et qui était utilisé pour des produits traceurs, pour à peu près 54 produits traceurs. Donc, ça, c'était un peu la situation qu'on a commencé à être impliqué. Donc, déjà, on a fait pas mal de choses. Alors, les défis, c'est que, bon, comme on le sait, pour générer certains rapports avec les HIS, ce n'était pas évident. Tout le monde ne sait pas utiliser les tableaux croisés, etc. D'autre part, un autre défi, c'était que l'enregistrement des données dans le DHIS est ouvert. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait revenir dans le système et puis changer les données. Bon, comme j'ai dit, au départ, c'était 54 produits traceurs. Il a fallu le mettre à jour. Et on s'est rendu compte aussi que bon, ce n'était pas utilisé par tous les programmes. Un autre défi, c'est que il y a chaque zone sanitaire ont ce qu'ils appellent un dépôt répartiteur de zone sanitaire. Et ils utilisaient dans tout le pays, en fait, il y avait au moins trois systèmes différents qui étaient utilisés pour la gestion des données, mais aucun de ces systèmes n'était interopérable avec le DHIS. Et d'autre part, il y a la SOBAF, avant ça s'appelait la CAMI, maintenant ça s'appelle la SOBAF au Bénin, c'est-à-dire c'est le magasin central. Ils ont un magasin central et trois magasins régionaux. Il n'y avait aucune visibilité sur la disponibilité de ces intrants au niveau national et régional. Donc un peu c'était la situation. En termes de flux des données logistiques, on a commencé à marcher, c'est-à-dire qu'il y avait les formations sanitaires qui rapportaient au niveau des dépôts répartiteurs et les dépôts répartiteurs envoyaient ces données dans le DHIS. Comme je vous montrais, c'est la CAMI qui maintenant est la SOBAP, il faudrait dû changer ça. Il n'y avait aucune relation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fallait savoir que les formations sanitaires rapportaient sur le formulaire A7, mais les dépôts répartiteurs de zone eux-mêmes ne rapportaient pas leurs données. D'accord. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, on n'avait aucune visibilité, si vous voulez, de ce qui se passe au niveau de la zone sanitaire. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé… Ça a été fait financé par l'USAID avec le projet qui s'appelle GSETA, Francophone Task Order. Sans aller dans trop de détails, c'est un projet régional dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest pour appuyer la logistique. Alors, ce qu'on a fait, on a développé avec l'aide de Softwork, qui d'ailleurs a développé Opsanté au Mali, donc je pense qu'ils sont assez connus dans la région, un système de visualisation des données logistiques. On appelle ça le SVDL. Qui a permis donc de pouvoir améliorer la saisie des données et surtout la visualisation des données une fois que les données étaient saisies dans le DHIS. Alors, comme j'ai mis, vous voyez le détail des produits traceurs par programme médicaments essentiels, PALU, planification familiale, tuberculose, vaccination, VIH, SIDA, etc. Donc voilà, ça c'est le nouveau schéma. Donc, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, il y avait donc les données, comme vous pouvez voir, la grosse différence maintenant, c'est que déjà, les formations sanitaires pouvaient rapporter directement dans le DHIS, les DRZS, donc les dépôts répartiteurs de zone aussi, et aussi, il y avait une interopérabilité avec la CAMI pour envoyer ces données dans le DHIS. Alors ça, ce sont des données mensuelles, OK. Avec les données un peu standard, c'est-à-dire les quantités au début du mois, les quantités reçues, les quantités sorties, les quantités périmées, le nombre de jours de rupture de stock, etc. Donc tout ça, ça va dans le DHIS et après le DHIS, envoyer, il y a une synchronisation avec la plateforme SVDL. D'autre part, comme vous voyez sur la droite, il y a une flèche qui permet de saisir aussi directement dans le SVDL les commandes en attente
qui sont en attente des importations, en fait. Donc, qui permet d'avoir une idée du pipeline de ce qui devrait arriver au Bénin et par bailleur de fonds, etc. Je vous montrerai des images plus tard. Donc, en gros, c'est le schéma. Donc, une autre chose qu'on a fait, donc ça, c'est le formulaire de saisie pour les formations sanitaires. Donc, vous voyez, stock initial, etc. Une chose qui est importante, comme j'expliquais avant, les saisies étaient ouvertes. Donc, les gens pouvaient venir à n'importe quel moment et saisir les données. Là, maintenant, il y a une étape de validation. Donc, une fois que les données sont vérifiées par quelqu'un d'autre et validées, c'est à ce moment-là que la synchronisation se fait dans le DHIS. Dans le SVDL. Donc, la saisie se fait dans le DHIS et les données sont synchronisées dans le SVDL. Donc, si les données ne sont pas validées dans le DHIS, on ne les verra pas dans le SVDL. Donc, ça, c'était une première étape et ça, c'est la même chose. On a fait un formulaire de saisie un peu différent pour le DRZS, mais c'est le même concept. OK. Alors, donc, les fonctionnalités de SVDL, évidemment, il y a des accès qui sont limités en fonction du type d'utilisateur. Ça permet aussi, évidemment, comme les données viennent du DHIS, on peut faire des triangulations. On peut faire... Il y a beaucoup de rapports, il y a une vingtaine de rapports standards qui ont déjà été développés avec des filtres. Donc, on peut choisir par exemple une zone sanitaire particulière ou un produit particulier pour une période spécifique. Ça dépend des besoins. Évidemment, il y a des règles de validation qu'on a mises pour éviter les erreurs de saisie. Et d'autre part, on peut extraire toutes les données qui sont dans le tableau de bord au format Excel, CSV, PDF, images, etc. Une autre chose qui était importante pour le Bénin, c'est qu'il n'y a pas de frais de licence pour la plateforme. Et d'autre part, c'est important de noter que la plateforme est hébergée, comme le DHIS d'ailleurs, par le data center du Bénin. Donc ça, c'était une première étape, donc ça a permis quand même d'améliorer le rapportage des données de façon mensuelle. Alors évidemment, le défi avec ce type d'exercice, c'est que de façon typique, la date limite de rapportage des données était toujours du 20 du mois suivant. Donc ça veut dire que si tout se passe bien, au 20 du mois suivant, on aura les données du mois précédent et simplement pour 75 produits. Donc, évidemment, ce n'est pas idéal dans la mesure où s'il y avait des urgences, s'il y avait des ruptures de stock à la fin du mois précédent, on n'était pas au courant. Donc, nous avons, je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a eu beaucoup de formations, évidemment, et ce qui est important, je pense, à noter, c'est que on a formé les gens, donc maintenant, c'est vraiment, le projet ne gérait plus ça, ce sont les gens du département des systèmes d'information du Bénin qui gèrent tout ça. Nous, s'il y avait des modifications à apporter au système, on a appuyé ça, mais de manière générale, c'est géré par le ministère de la Santé. OK. Alors, donc, comme je disais, la limite ou le défi, c'est ça, c'est d'avoir un rapportage mensuel. Donc, on a voulu aller plus loin et mettre en place donc, un système de gestion logistique, donc un e-sigle, et unique. Ça, c'était le désir du gouvernement. Comme j'expliquais, il y avait au moins 3-4 systèmes qui étaient utilisés. Alors, on est arrivé à faire un système unique et qui est utilisé, et c'est le même système qui est utilisé au niveau des formations sanitaires ou des DRZS. Donc aussi, ça facilite la formation et surtout le transfert des compétences et la pérennisation du système. C'est-à-dire, si quelqu'un va d'une formation sanitaire à l'autre, il va avoir le même système. Si la personne bouge d'une formation sanitaire au niveau des DRZS,
Là, c'est pareil, il va utiliser le même système. Alors là, c'est un système qui a été mis en place et dont la connexion avec les DHCS est différente dans ce cas-là. Ce qui se passe, c'est que maintenant, quand les gens utilisent, vous voyez, au niveau des formations sanitaires, maintenant, il y a le e-sigle qui est marqué, les données, on n'a pas besoin de remplir de façon régulière un formulaire typique. Parce que c'est déjà intégré dans le système ici, c'est-à-dire que le formulaire, les données du formulaire du rapport A7 sont synchronisées de façon automatique dans le DHIS. Et évidemment, il y a beaucoup de données qui passent au niveau de la plateforme web. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la différence maintenant, c'est que le rapportage dans le DHIS se fait de façon automatique au fur et à mesure que les utilisateurs utilisent le e-sigle au niveau périphérique. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres synchronisations de données du catalogue national, etc. Je ne vais pas m'attarder, mais vous avez l'idée. Il y a aussi pareil, maintenant il y a la CAMEE aussi, on arrive à avoir les données de la CAMEE. Donc voilà, donc l'idée principale c'était de pouvoir avoir toutes les données pour toutes les transactions, pour tous les produits. Et dans le cas idéal, c'est presque en temps réel, mais évidemment, comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, il y a pas mal de défis au niveau de la disponibilité de l'Internet. Donc, c'est pour ça qu'on a un système qui est en fait online et offline. Donc, ça ne bloque pas les gens pour travailler. Parce que si vous avez un système qui est online, simplement, si le matin vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez même pas accéder à votre système. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a synchronisation, il y a des rapports standards, etc. Et il y a un système d'approbation électronique des bons de commande aussi. Ça, c'est pareil, ça, c'est avec la mise en œuvre de ce système. Si jamais il y a besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un pour une transaction particulière, la personne va recevoir un email, il peut se connecter au système, l'approuver. Donc, il n'a plus à se déplacer à la formation sanitaire ou au DRZS pour approuver la commande, par exemple. OK? Et pareil, il n'y a pas de frais de licence, et ça aussi, je pense que c'est important. Donc maintenant, je vais rapidement montrer la plateforme à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça c'est l'écran d'accueil. Et puis voilà, ça vous donne une idée des stocks. Par exemple, ici, on peut voir le stock disponible pour les produits PALU au niveau de la CAMEE centrale par rapport aux trois CAMEE régionales. Donc ça permet de faire des comparaisons. Les couleurs, le code des couleurs est standardisé dans le tableau de bord. Quand c'est rouge, c'est rupture de stock, etc. Rupture de stock potentiel en orange, sous-stocké en jaune. Le cadre idéal, c'est en vert. Et sur-stocké, c'est en bleu. Et les paramètres pour ces niveaux de stock changent en fonction du niveau. Ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est un autre exemple de tableau de bord. On peut faire une cartographie, c'est-à-dire qu'on peut prendre, dans ce cas-là, on a regardé l'AL6, un produit PALU, dans le département de la Tacora pour toutes les zones sanitaires. Et ici, ça nous permet de faire une carte et de voir la situation de stock de ce produit dans les zones sanitaires, par exemple, du département de la Tacora. Et ce qui est intéressant, vous pouvez voir que, par exemple, il y a beaucoup de bleu, donc surtoqué, et à côté du surtoqué, il y a du rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a des opportunités de faire des transferts de stock entre les différentes formations sanitaires pour éviter les ruptures de stock. Donc, c'est ça l'idée principale. Ici, ça, c'est un autre. J'avais dit qu'on pouvait aussi saisir les commandes en attente, les importations en attente. Ça aussi, on peut les saisir. Et on peut voir quelle est la situation du stock national par rapport aux commandes en attente. Et ça va mettre, par exemple, en évidence des possibilités de rupture pour certains produits.
Donc, voilà l'idée. Alors, une autre chose qui est importante, c'est qu'il y a des rapports qui permettent de pouvoir gérer, faire le suivi du rapportage. Donc là, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que saisir les données, évidemment, on fait ça, mais ça permet de voir dans quelle mesure les gens gèrent bien le rapport, les données, etc. Donc, il y a beaucoup de rapports à ce niveau-là. Alors, les améliorations, voilà où... Ça, c'est depuis 2019, comment les choses ont évolué. Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais quand même, on s'est maintenu quand même. Les dernières données qui étaient à la fin, c'est en décembre, parce que c'est année fiscale de l'USAID, en décembre 2021, donc c'était le premier trimestre de l'année 2022, 95% de rapportage. Donc, je pense que voilà, c'est une bonne initiative, ça marche. Le Bénin, maintenant, ils en sont à déployer le système, le e-sigle au niveau national. Donc, c'est prévu de se faire sur au moins 2 ans. Mais ce qui est important, je pense que c'est que donc, il y a un système unique et il y a quand même un buy-in. Comment ça s'appelle, à l'adoption du gouvernement dans ses efforts, et c'est vraiment le gouvernement maintenant qui gère tout ça et qui met en œuvre, et bon, les implémenteurs comme USAID, les agents techniques appuient, mais c'est vraiment géré par le gouvernement, et ça, je pense que c'est important pour la pérennisation. Voilà. Merci. Est-il basé sur DHS2? Est-ce que c'est un autre système? C'est un autre système, en fait. Oui, c'est un autre système. Le e-sigle, hein, c'est ça? C'est lequel? Alors, c'est quelque chose qui avait été développé spécifiquement par Softworks, yeah. En fait. OK, merci. Donc, voilà. Merci bien et merci. Il y aura sûrement des questions après. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions maintenant aux présentations ou est-ce que ça va? Oui, Karine. Merci Jean-Pierre. Juste sur le Bénin, une petite question naïve. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il y avait ce système-là, juste pour la visualisation des données, pourquoi il y avait cette plateforme en plus, pourquoi est-ce que les capacités analytiques de dashboard de DHS2 avaient été exploitées au maximum? Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de valeur ajoutée à passer sur une autre plateforme juste pour la visualisation? Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, qu'est-ce qu'il en est au niveau des centres de santé pour demander aux gens d'aller dans une interface, l'autre interface? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour les agents qui saisissent les données? Est-ce qu'on leur a donné le choix? Puisqu'avec le nouveau design sur la phase 2, ils devront saisir les données logistiques dans une plateforme, les données de toutes les autres dans la plateforme DHIS2. Est-ce que ça a été testé? Est-ce qu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient? Merci. OK. Donc, l'idée de la visualisation, vraiment, c'était de faciliter le rapportage. C'est beaucoup plus facile que d'aller dans le DHIS. Et il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup de rapports spécifiques. On a beaucoup discuté, bon, je ne suis pas allé dans les détails, mais on a beaucoup discuté avec le gouvernement et voir le type de rapport qu'il voulait avoir. Donc, on a pu faire des rapports personnalisés. Qui répondent à leurs besoins, avec des filtres en fonction des différents niveaux. Donc, ça, c'est une chose. Après, pour le système journalier de transaction, les gens n'ont pas besoin de saisir, c'est ça l'idée principale, les gens n'ont plus besoin de saisir un formulaire particulier mensuel. C'est intégré. Comme les données sont saisies au jour le jour dans le système au niveau des informations sanitaires, c'est le système qui peut automatiquement générer ce rapport mensuel et l'envoyer dans le DHIS. Donc, il n'y a pas de doublon de saisie. Et bon, ça marche très bien, je pense que les gens sont satisfaits.
L'idée principale, c'est d'avoir qu'une plateforme pour la logistique. Ça, c'est une autre chose qu'on avait fait, j'ai oublié de mentionner ça. Mais dans le DHIS, de façon typique, avant, il y avait, par exemple, le programme SIDA, ils avaient leur propre écran de saisie pour leurs produits SIDA. La tuberculose avait leur propre écran de saisie, etc., etc. Donc là, c'est pareil, les gens devaient aller dans différents programmes pour saisir les données. Maintenant, il y a une plateforme des données logistiques. Donc, tout est intégré. Donc, les gens ne vont que sur une plateforme. Et ça marche bien, ils sont habitués. Et il y a d'autres modules qui ont été inclus. Je ne suis pas allé dans les détails, mais on a fait un module pour le COVID qui est intégré là-dedans. Il y en a un pour les vaccins aussi pour le COVID. Et maintenant, ça va devenir une plateforme même nationale qui va appuyer la mise en œuvre des standards GSM au Bénin pour améliorer la traçabilité des médicaments. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mais l'idée principale, c'est d'avoir une plateforme nationale où il y a toutes les données logistiques. Donc, merci. les utilisateurs, pour eux, c'est plus facile. Ils n'ont pas aller au DHIS et après ailleurs, etc. Merci bien, Jean-Pierre. Oui, il y avait une question ici aussi. C'est la même question. C'est la même question. Ok. On va le ajouter pour les dashboards configurés avec le DHS2 pour le Mali, c'est tout. Oui, et après nous avons Monsieur Fortune sur Zoom. Allô? Oui. On vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, c'est Fortuné Capochichi. Je vous ai suivi depuis Bâle, en Suisse. Je voudrais remercier les présentateurs pour les brillantes exposés qu'ils ont fait. J'ai juste deux questions. Et la première question, c'est pour monsieur Jean-Pierre Salé. Je voudrais demander quelle action particulière et est-ce qu'ils ont pu mener pour avoir cette taux de rapportage qui soit satisfaisant? Parce qu'en général, dans les systèmes d'information en Afrique, je les ai un peu parcourus, je les ai un peu pratiqués, je sais qu'il y a des problèmes de complétude de données. Et il y a souvent cette complétude et on est obligé de faire des collectes actives pour pouvoir améliorer cette complétude. Donc, est-ce qu'il y a des actions particulières qui ont été menées pour arriver à ce taux de rapportage satisfaisant? Et ma deuxième préoccupation, c'est de dire, est-ce que vous avez senti que la partie nationale a joué complètement sa partition pour compléter ou bien complémenter l'apport des partenaires et l'apport des techniciens que vous êtes pour pouvoir mieux s'approprier ce système et l'animer vraiment de manière efficiente pour mieux gérer les séquences de rupture de stock dans nos pays. Merci beaucoup. OK, je peux répondre. Oui, merci d'avoir posé cette question. C'est vrai, comme je dis, je n'ai pas tout dit. Hein. Mais voilà, en fait, pour améliorer le rapportage, il y a eu une activité particulière qui continue d'ailleurs. Il y a au Bénin une activité qui s'appelle, c'est le programme des jeunes logisticiens professionnels. Donc, au niveau des départements, il y a, et au niveau de certaines même zones sanitaires, il y a ce qu'on appelle des jeunes logisticiens, on les appelle comme ça, hein. Professionnels. Et eux, ils appuient donc tout ce volet au niveau des formations sanitaires et des zones sanitaires pour s'assurer que le rapportage se fait. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un appui quand même dans ce sens-là. Déjà, pour montrer leur rôle, ça a surtout été de montrer l'importance aussi de la chaîne d'approvisionnement et le rôle que les élus locaux ou le personnel de santé, pas que le personnel logistique, le personnel de santé, quels sont les avantages d'avoir des données à jour en gérant aussi, en expliquant ça aussi même avec les médecins-chefs, etc. Donc, il y a eu un gros effort dans ce sens-là et c'est pour ça que je pense qu'on a obtenu des bons résultats. Pour la deuxième question, oui, totalement. Il y a vraiment une implication du gouvernement. D'ailleurs, nous, quand on a développé le système, on l'a vraiment fait en collaboration, on n'a pas fait ça en parallèle. Ça a pris plus de temps, évidemment,
Mais même pour vous donner une idée, quand on a fait quand on a mis en place le e-sigl, on a fait une évaluation. Il y avait une phase pilote, évidemment. On a fait une évaluation. Ça a même été présenté au niveau du cabinet du ministre. Donc, on a vraiment essayé de. Ça prend plus de temps de faire ça, évidemment, que de faire quelque chose en parallèle. Mais ça a vraiment été. On l'a fait comme ça et je pense que ça. L'avantage, c'est que maintenant, c'est devenu. Ça a été accepté comme le système national. Donc, oui, il y a des techniciens. On a beaucoup formé des techniciens au niveau du soutien dans la maintenance des systèmes et ça continue. C'est vraiment eux qui gèrent ça. Les partenaires sont là au niveau technique ou au niveau d'apport financier, par exemple, pour les équipements informatiques. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je pense que nous avons déjà passé par quelques minutes. Nous pouvons terminer maintenant. Merci beaucoup à tous les présentateurs et à tous les participants. Merci et bonne journée à tous. Merci Jean-Pierre.